Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de Zoho qui s'appelle Pipeline Multiple. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder en vidéo cette nouvelle fonctionnalité qu'on a ici. Hop, on va réduire ceci. Et donc, cette fonctionnalité est très intéressante parce qu'elle permet de gérer pour une société, par exemple, qui vendrait du B2B et du B2C, à la fois un pipeline lié au B2B et un pipeline lié au B2C. C'est nouveau chez Zoho. Vous allez ici dans le management de setup et ici on va imaginer un pipeline simplifié pour de la vente d'un hébergement en ligne. On va créer nouveau pipeline. On va mettre hébergement. On va s'appuyer sur une disposition dite standard, donc hébergement web. On peut rajouter ou enlever des phases par rapport à votre pipeline traditionnel en imaginant que vous vendiez des projets complexes et que vous avez des hébergements web peu complexes, simples à vendre. Et on va mettre un pipeline uniquement lié à votre processus de ce produit-là sur 4 étapes. Donc ici, on crée un nouveau pipeline. Je le remontre. Pour une conception de service web, où là on va pouvoir prendre les étapes de qualification, d'analyse du besoin, d'estimation de prix et de négociation. Et bien sûr, on va fermer le pipeline et on va le mettre en gagné. Voilà un troisième pipeline qui a été créé, qui est complètement fonctionnel sur une gamme de produits donnés et qu'on va retrouver dans vos deals où vous allez pouvoir sélectionner ici le pipeline adapté à hébergement web dans ce cas de figure. Et ça veut dire que vous aurez une parfaite conduite de votre business en fonction du pipeline lié au produit. Donc ici, on change de pipeline, on passe en service de conception web et on voit que le nombre d'étapes a augmenté. Et ça, c'est absolument fabuleux pour des gens qui, pour des sociétés qui ont plusieurs typologies de produits. On va s'adapter au plus près du besoin de votre produit et de votre modèle d'affaires. Merci et à bientôt, à très bientôt avec Mobix.